Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es en super forme. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de motivation. Comment rester motivé? C'est parti! C'est pas toujours évident d'être motivé au quotidien. On a des projets qu'on commence, puis souvent, ben on abandonne en cours de route. Donc, je te donne ici 5 règles pour t'aider à rester motivé. La première règle, c'est choisir correctement ton objectif. Pourquoi je te dis de choisir correctement ton objectif? C'est parce que si à chaque fois que tu commences quelque chose, puis qu'après quelques semaines ou mois, t'abandonnes, ben c'est peut-être un super bon signe que c'est pas le bon projet pour toi. Des fois, il y a des gens qui vont nous parler de quelque chose autour, puis ça va nous allumer. Pourquoi je pourrais pas le faire moi aussi? Mais d'autres fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui vient nous chercher, nous. Peut-être sur le coup, ça nous a motivés, mais c'est pas quelque chose à long terme qui va faire qu'on va poursuivre cet objectif-là. Il faut que tu choisisses quelque chose qui te parle vraiment. Puis ça, ben tu le sais quand c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu sais, tu as le droit de te tromper, il faut que tu essayes, il faut que tu fasses des tests. C'est comme ça que tu vas trouver le bon objectif puis que tu vas continuer à avancer vers cet objectif-là. Ce que je te dirais aussi, c'est sois obsédé par tes objectifs puis va jusqu'au bout. N'abandonne pas avant de savoir si c'est vraiment ça qui te parle. La règle numéro 2. Aide-toi d'outils extérieurs qui vont te rappeler ce que tu dois faire. On est entouré d'un paquet d'affaires qui peuvent nous aider. Quand je parle d'outils extérieurs, c'est soit ton téléphone, des notes que tu peux mettre, des petits post-it, le bon vieux post-it. Juste les contacts que tu as dans ton téléphone, tu peux changer les noms pour des reminders. Exemple, un de tes amis qui fait bien du sport, quand il t'appelle, ben au lieu de voir son nom, ben tu mets « fais du sport, bouge-toi ». Fait que quand tu vas voir ça sur ton téléphone, ça va te rappeler qu'il faut que tu ailles te bouger le derrière. Tu peux te mettre des alarmes dans ton téléphone pour te rappeler un paquet d'affaires que tu as besoin de faire pour te rapprocher de ton objectif. La règle numéro 3. Commence tes journées par de la méditation, du sport, de la lecture ou même de l'écriture. Faut que tu fasses quelque chose qui est différent de ton but, de ton objectif. Par exemple, moi, je trouve souvent mon inspiration quand je vais courir ou quand je fais du vélo. Juste d'activer mon cerveau à penser complètement à autre chose, c'est souvent là qu'il y a un déclic qui se fait. Mais pendant que tu fais d'autres choses, ton cerveau il se régénère, puis ça te fait penser à autre chose, puis tu vas être d'attaque pour faire ce que tu veux faire. Puis ça, ça donne de la motivation. La règle numéro 4, évite la surcharge d'objectifs. Quand on veut démarrer quelque chose de nouveau, un nouvel entraînement, un nouveau projet, on a un rêve, ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut tout faire en même temps. On est motivé au départ la première journée, on en prend. Mais ça fait vraiment que après un certain temps, puis souvent c'est un court temps, on abandonne. Puis on se dit, oh, c'est ben trop dur. La solution à ça, c'est pas d'avoir un paquet d'objectifs pour réussir ou pas. C'est de prendre les choses une à la fois, de les décortiquer. Prendre un gros objectif puis le découper en plusieurs petits objectifs. Un objectif, admettons, d'un an va devenir en mois, en semaine et après ça au quotidien. Une marche à la fois. Puis après ça, tu regardes en arrière puis tu dis, hey, tabarouette, j'ai déjà tout fait ça. Ça, c'est motivant. Faut que tu te dises que tout a commencé petit, chez un athlète, une célébrité, une entreprise. Si les personnes que tu admires sont rendues où ils sont, faut que tu te dises qu'eux autres aussi ils ont commencé en bas de l'échelle. Ils en ont eu des échecs, puis on se relève, on recommence. Faut pas que tu abandonnes. C'est vraiment de rester focusé sur ton objectif qui va te garder motivé. La 5e règle, je te dirais, fais-toi une liste de pourquoi. Pose-toi souvent les questions, aussitôt que tu perds un petit peu de motivation.
pose-toi des questions. Pourquoi que c'est important pour toi de faire telle ou telle chose? Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi qui t'allume dans ta journée, dans ta semaine? Et au bout du compte, tu vas arriver avec des résultats, des réponses qui vont faire, qui vont te tenir motivé à continuer. T'as des projets? Fais-les. Arrête d'attendre. Passe à l'action. Prends une décision rapidement. Plus tu vas attendre, plus tu risques de mettre ça sur le top de la pile ou en dessous de la pile, parce qu'il va finir là. Ose faire ce qui est important pour toi. À force de faire les choses qui te font peur, ben, tu vas développer une confiance en toi. J'espère que tu as aimé le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Puis laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais pour te motiver, pour rester motivé surtout. Puis abonne-toi à ma page et mets des petits thumbs up. J'aime toujours bien ça. À très bientôt. Bye bye.